Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 2. Alors c'est reparti, on va essayer de terminer ce coup-ci notre aventure. Donc on va faire tous les coffres et puis on verra, hein, soit dans cet épisode, soit dans un prochain, on lira les documents. Mais je pense que ce sera plutôt dans le prochain. Là on va faire les coffres de Venise, hein, on avait déjà bien commencé dans le précédent. De toute façon il nous reste plus que ça à faire. Enfin on a aussi les plumes, hein, et puis les signes occultes là, mais comme ils sont pas indiqués sur les cartes, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois, je le ferai pas. Parce que si ça nous prendrait trop de temps à chercher sans savoir où aller, enfin voilà, il y en aurait pour des heures et ça serait un petit peu embêtant. Ça je vous laisse les faire, hein, je vous laisse les faire si vous avez le jeu. Hein. Donc on est reparti pour une heure de jeu. Alors, il nous reste quelques coffres à faire dans le quartier central, hein. Vous voyez, je me suis avec les délimitations là. Les espèces de forteresses là. Bon, je crois que c'est les délimitations de quartier en fait, tout simplement. Donc on va faire les coffres qui restent. Ouais, je me doutais que là ça se grimpait pas trop. Hein. Ah bah là non plus, merde. Au moins il a du cran, pas comme Arrigo. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais si vous voulez rester en bonne santé, tenez-vous tranquille. Non. Là-bas, allez, attrapez-le. L'Empire ottoman, de toute façon, on tiendra pas à y aller, hein. Pas dans le prochain jeu qu'on fera, mais dans celui d'après, normalement. Alors, il est planqué où le coffre? Il doit être par là. Voilà. Alors, il y en a un en bas, là. Bon, on va déjà aller faire celui là-haut. Puis ensuite, j'irai faire celui-là et on ira ensuite dans le quartier sud. Non, reculez, arrêtez. Ce n'est pas dangereux. J'ai grave trouvé dessus. Oui, parce que ce truc-là est encore théoriquement dans le quartier, là. Après, les autres, bon, ils sont à la limite, donc...
On va dire que ce sera plutôt le quartier est là. Génial pour la notoriété. Oh, il avait rien le fumier. Hop, ça spawn et ça despawn. Ah, bah, j'ai fait refuser. Ah, les cons. Va falloir partir à Forlì. Ah non, c'est bon. Ça va. Alors, un beau plongeon, hein. Maintenant, on a enfin compris qu'on peut plonger. Ok, donc ça doit être de l'autre côté, je pense. Comment échapper à un homme aussi doué ? Ah, il doit être là-dessous, je pense. Les mecs, ils ont rien dû comprendre. Bon, allez, on va au sud. Il y en a vraiment partout des plumes, hein. C'est pas évident. Ah, on est à 50, c'est bien. C'était mon objectif, je voulais atteindre la moitié, voilà. Pour me dire, voilà, au moins. Pour me dire, au moins, que j'en avais fait un petit peu, quoi. Oh bah pète-toi toi. Ah oui, on arrive sur le carnaval, d'accord. Bon, on va avoir du boulot ici, hein. Ouais, c'est bien fait, hein. Ça pourrait faire des magnifiques images de décor, ça, si on voulait faire, je sais pas, des vidéos sur le jeu ou des trucs comme ça. Ça fait des images super réalistes, quoi. En vrai, les personnages, ça va, ils sont pas mal, hein, même de près, hein. Ça va, à peu près, hein. C'est ultra réaliste, je trouve, hein, vraiment, hein. Même les mouvements, les déplacements et tout, c'est très plausible, quoi. Oh, peut-être que si on regardait tout le temps, après, on verrait qu'il ferait toujours les mêmes rondes, mais comme ça, c'est... Ah bah là, il arrête de jouer, hein, dès qu'il a son argent. Ah, c'est bon. Je pensais que je l'avais loupé.
Ah voilà, on va le laisser faire le guignol là. Profite un peu des décors aussi, hein. Alors, là, ouais, il y en a quand même pas mal, quand même. Ouais, elle tombe en moins 2 l'orchestre. Oh, j'aurais bien eu envie de lui coller une correction à celui-là quand il a dit vous serez fouetté jusqu'au sang là. Oui, il y a un centre de voyage ici aussi. Ah, il y a un coffre sur le bateau là. Bon, on l'a pas fini. Hein. Oh, nique-toi. Allez, descends. J'ai pas essayé de plonger parce que des fois que ça le fait changer sa trajectoire et que je me pète la gueule. Non, merci. Hein. Oula! Infligez-leur une bonne correction. Ne touchez pas! Je suis innocent! Je ne veux pas être mêlé à ça! Bon, c'est bon, notre niveau de recherche n'a pas monté, on va pouvoir se barrer. C'est rare hein, quand on se fait repérer, souvent ça monte direct. Hein. Alors, un coffre. Et encore, il y a des coffres qu'on avait déjà fait au fur et à mesure. Hein. Là, on fait les coffres qui restent. Hein, donc y a... Bon, ceci dit, je les ai pas farm non plus énormément les coffres avant. Mais je les faisais quand même quand je les voyais souvent. Ça aurait été une bonne technique pour aller à Murano. Mais non, on n'a pas le droit. Ah oui, non, c'est vraiment restreint là.
Bon, ça c'est des mini coffres, c'est pas indispensable. Voilà, la dose de fric. Bon, on fait pas ça pour le fric, hein. On fait ça parce que c'est des objectifs et parce que ça permet aussi d'explorer un petit peu, quoi. On profite encore un petit peu des villes, on va dire, de façon un peu plus détendue. Ça nous permet aussi de fixer quelques images. Et puis, voilà, c'est un petit peu le but des épisodes à coffre. Hein. Bon, de toute façon, celui-là, le jeu, je pense que je vais être obligé de le désinstaller après parce que mon SSD est plein à craquer. Bon voilà, j'ai été interrompu. Donc comme je vous le disais, mon disque dur était SSD était plein à craquer. Enfin, il est plein à craquer. Et voilà, donc il faut vraiment que je fasse des programmes et voilà. Le jeu, si je joue plus, ça sert à rien que je laisse, quoi. J'aurais bien gardé au cas où pour les plumes et les signes occultes là, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Je pourrais le réinstaller au pire. Hein. Mais à mon avis, il va falloir que je me retape toutes les missions si je veux. C'est pas grave. Il est là. Alors. Voilà, ça c'est fait. À force, on commence à connaître un petit peu les planques, hein. Ou les types de planques, tout du moins. Bon, il est moyen, je ferai peut-être une pause là après, d'un jour ou deux, enfin on verra. Mais il est probable que quand j'attaquerai le prochain Assassin's Creed, je passerai beaucoup de temps dessus. Genre je pense vraiment enchaîner, faire une grosse journée pour vraiment avancer beaucoup le let's play. Donc à mon avis, j'en ai beaucoup d'épisodes d'un coup. Bon, vous les verrez apparaître au fur et à mesure, hein, comme d'hab. Oh, on l'a déglingué le Brutus là. Voilà comment dégager le terrain. Là, quand ils ont vu que j'ai massacré le Brutus en moins de deux. Faites pas, je vous ferai pas de mal à vous arrêter de chialer. Ils ont peur de nous, ces cons-là. Ah putain, j'ai encore de la recherche. Mais c'est quoi ce délire de foutre les affiches en hauteur, hein? C'est juste pour faire chier, hein.
Oh, sa mère. Bon, voilà. Allez, go chercher un prochain coffre. Ah, putain. Ah non, c'est des avis de recherche. J'ai eu peur. Je pense que c'est des coffres. Il nous reste deux ici. Merde. Nickel. Ensuite, comme ça, on remontera au quartier nord. Ah, c'est joli, hein. Oh. C'est quoi, c'est un lever ou un coucher de soleil, là? Je pense que c'est un coucher, c'est hyper beau. Hein. Ah ouais. Franchement, pour un jeu de 2009, c'est un prodige, hein. Nos armures et nos prix sont... Bon, après, c'est pas comparable parce que là on est sur un gros studio, mais faut se dire qu'à ce moment-là, il y avait les toutes premières versions de Minecraft qui sortaient et c'était encore super primitif quoi, hein, y avait trois fois rien. Alors que maintenant le jeu Minecraft est vachement amélioré, il est vachement cool quoi. On peut faire énormément de choses dans Minecraft. Mais bon, faut dire que c'est pas la même chose parce que Minecraft ça a été développé juste par un type. Alors maintenant, évidemment, c'est une grosse boîte et c'est monstrueux, mais. Au tout début, Minecraft c'était vraiment un tout petit jeu développé voilà, par un mec, donc évidemment c'est pas comparable parce que là ce sont de gros studios. Mais c'est pour dire quand même à l'époque ce qu'on avait quoi. On n'avait pas des jeux aussi monstrueux que Assassin's Creed. Je pense qu'Assassin's Creed a vraiment révolutionné les jeux hein, dans les gameplays et les graphismes. Il y a comme... là, il y a un bug, mais il y a quand même eu des progrès monstrueux quoi. On avait des jeux ultra réalistes. Même encore aujourd'hui, je suis berné par les graphismes, quoi. Déjà, le premier m'avait fait cet effet, mais alors celui-ci, c'est encore plus, c'est encore pire. Hein. L'autre, il réagit pas, bah, tant mieux. Alors... Bon, tout est fait, on peut aller au nord. Je revérifie le centre, mais c'est bon, hein, je ne vois plus rien. Bah allez go hein. Aurait-il perdu la raison ? Approchez pas, assassin ! Fumier lui bouscule tout le monde. Merde, loupé. Bon, il faut chier, il court trop vite.
exercice ne me ferait pas de mal. Ici, nous ne suivons pas la mode, c'est la mode. Le Doge a décidé que les fabricants de feux d'artifice seraient désormais soumis à... Ah, il y en a encore beaucoup des coffres, hein. Putain. C'est monstrueux. Bon, on y viendra peut-être plus vite que prévu. Hein. Oh punaise. Voilà, normalement quand on se planque là, on n'est pas vu. Oh merde. Les clients se sont déjà arrachés. Je peux aussi vous proposer tout un tas d'œufs vendus en provenance de la forge de mon frère. À des prix imbattables. Celle qui fait battre votre... On avait tout acheté, très bien. Nickel. Alors, c'est dommage, j'ai pas de carte pour les plumes. Sinon, je les aurais bien faites, hein, mais bon. Une autre fois. Venez, mes amis. Cette semaine, tous mes prix sont sacrifiés. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine, c'est la galère. On va essayer de faire quand même un max de choses par les rues, c'est un peu plus facile, je trouve. Parce que là, il faut quand même qu'on arrive à être le plus rapide possible. Ouais, pas mal le mec qui s'assoit sur le bord du truc et tout. Ouais, c'est hyper bien fait, il y a tellement de trucs réalistes. Je sais que j'en découvre tous les jours. Si j'avais un moment, je prendrais le temps de mieux te connaître. Et crois-moi... Là-bas. Allez, attrapez-le. J'avais hâte de voir ça. C'était sans que quelqu'un leur fasse les fesses. Fumier.
235 000. Ah, ça commence à causer, hein, l'argent, là. C'est immense, hein, quand on voit la distance là. Alors qu'on est dans un seul quartier et qu'on a déjà 60 mètres à parcourir. Ah punaise, ah ça va. Oh putain! Il faut les malins, mais ils sont hyper nuls. Putain! Ah bah oui, je peux pas m'accrocher! Ah putain! Ça, il y a une échelle. Non! Qui aurait été assez marrant, c'est imaginer un médecin de cette époque-là rencontrer un médecin de nos jours. Le décalage que ça pourrait faire, ça serait marrant. Je serais curieux d'imaginer une conversation entre un médecin de cette époque-là et un médecin d'aujourd'hui. Alors. Encore là-bas. Il y a un bateau là-bas, mais bon, c'est pas un coffre, il y a presque rien dedans, donc bon. Là-bas, vite, il va s'échapper. Le voilà, suis vite, ne t'inquiète pas, on va l'attraper. Ça, c'est pas bon pour la notoriété, hein, faut vite courir. Quand ça tombe, là, tout le monde le repère après, hein. Si on est discret, normalement, c'est bon. Mais par contre, j'ai remarqué, quand on lui saute dessus, là, c'est bon, on se fait repérer direct. Il vaut mieux éviter ce genre de coup. Descends. Là-bas. Là-bas. Voilà, les petits coups discrets, comme ça. C'est moins stylé, mais c'est plus efficace. Alors... Hop. Il y a plein de petits détails comme ça, hein, qu'on apprend ou qu'on découvre que plus tard. Hein. Ça, je dirais qu'un jeu est super réaliste et parfait lorsqu'on se rend pas compte que c'est un jeu, quoi. Je veux dire, les personnages sont très réalistes lorsqu'on se rend pas compte que voilà qu'ils ont tel ou tel comportement. Je veux dire, là, les personnages, ils ont une telle diversité de places, de comportements, etc., qu'on a même du mal à catégoriser le nombre de programmes qu'ils ont dû mettre pour faire tout ça. Et donc, on se sent même plus dans une simulation, quoi. Alors...
peur de rien, celui-là. Et là, on peut parler d'un jeu réaliste. Et les graphismes, c'est pareil. Les graphismes, on peut les juger très beaux lorsqu'il faut vraiment regarder de près pour voir les pour voir les textures, quoi. Mais qui vous a appris à faire ça? Là, les textures, elles sont quasiment parfaites, quoi. Croirait de la photo, quoi. Vous pourrez nous montrer comment vous faites? Et encore, c'est en proie à s'améliorer, hein, bien sûr. Au revoir. Ah, et la musique change d'un coup, hein. Ah non, pour l'instant elle est calme. J'ai rien dit. Il y a trois types de musique différentes, je crois, ici, d'ambiance. Il y en a une joyeuse, comme ça, il y en a une un peu mélancolique, et puis il y en a une un petit peu plus triste, plus stressante, on va dire, plus, voilà, plus... qui annonce un peu des mauvais temps, quoi. Alors... Ah bah oui, je suis déjà plus dans le bon quartier, là. Il va falloir que je remonte. Faut que je fasse tout ce qu'il y a, là. Le quartier, là, il me fait penser un peu au département du nord de la France. Vous savez, qui construit tout en long, comme ça. Qui est situé tout en long, comme ça, le long du Pas-de-Calais. Voilà, des petites ruelles sombres. Voilà, ni vu ni connu. Faut pas les fouiller parce que là, si on se fait voir... Bon, je les fouille plus, de toute façon, ils sont rien. Alors... ok... Ah oui, il y a encore ce petit bout là. Ah non, c'est le quartier Est. Non, c'est bon. Je pensais que ça c'était lié, mais non, j'ai pas l'impression, en fait. Bon, c'est peut-être le même quartier, tout ça, hein. Ouais, ça me paraîtrait un petit peu bizarre, quand même. On va les faire... Bon, il reste plus que deux coffres pour ce quartier, c'est bien. Ça avance quand même, hein, mais bon. Il va être plus long cet épisode, hein. Bon. C'est pas grave. Sinon, j'enchaîne avec un prochain. Ouais, mais bon, faut que. Dans le prochain, faut qu'on les saoule les papelards. Il y en a pour du temps aussi, donc bon. Vous avez forcé sur le Ah, les plumes sont vraiment bien cachées. Hein. Je sais pas ce qu'il rame, lui, là-bas. Il manœuvre son bateau. Un trésor ici. Il faudrait le surveiller. Il a plus toute sa tête.
Allez, c'est parti. Ah, il y en a encore un petit qui traîne là. On va fumer ce quartier. Et ensuite, on va suivre situé à l'est. Ah bah, je suis même pas dans la bonne direction. Même l'eau est très très belle. Hein. Ça, je sais que l'eau, ça a été pendant longtemps un truc que les développeurs ont eu beaucoup de mal à mettre en place, une belle eau dans les jeux. Longtemps, l'eau a été vraiment toute moche et dégueulasse. Et voilà, et puis depuis, je sais qu'il y a eu un cap qui a été passé un jour, peut-être dans ces moments-là, à ces eaux-là, tiens, petit jeu de mots. Et c'est vrai que depuis, souvent dans les jeux, il y a de l'eau qui est de super qualité, quoi. Bon, parfois elle est un peu surréaliste parce qu'elle brille à mort et tout, mais quand même. Oh putain, il y a une belle distance là. Ta chambre elle donne sur t'imagines la chambre elle donne sur la cheminée là du jardin. Ok. Hey, c'est pas mal le petit jardin là. Ah putain. Il se barre les fumiers. Il reste plus que les courageux. Ils tiendront pas longtemps, hein. Génial la notoriété. C'est arraché. Alors. C'est trop grand, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh.
Voilà, je me remets à laguer, moi, génial. Ça laguait plus, puis ça revient. Faudra vraiment que j'arrive à régler ce problème pour les prochains let's play. Normalement, ce sera bon. Je pense avoir la solution, mais j'espère quoi. J'espère vraiment. Alors, merde, putain. Ah, c'est trop chiant les petits coins là, grimper, c'est une vraie galère. Ah là là, allez, monte. Y'a rien pour agripper. Ok, on est arrivé. On a tellement... Oh putain. Devant le palais d'Andolo dans une semaine. C'est Andolo lui-même qui présidera les festivités. Tu veux voir ma cicatrice ? C'est quelqu'un comme ça. Les pigeons ne transportent pas. Voilà la cicatrice que je vais lui laisser. Ah, à tous les coups, c'est le genre de truc où il y a encore 5 gardes devant, là. À quoi ça rime ? C'est le diable incarné, ma parole ! Oh,
Ah, il m'énerve, il tranche bien. Il y en a combien? Il est chiant, j'arrive pas à l'ouvrir en deux. Voilà, il dégage. Ouais, Brutus, là, tout est mort. Bon, ok, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Impossible à contrer ces mecs. Hein. Oh la vache, le Brutus! Oh, il a pas compris ce qui lui est arrivé là. Bon, comme ça fait déjà une heure que j'enregistre, je vais remettre encore un quart d'heure. On va tourner encore un quart d'heure et puis ensuite je m'arrêterai. Et on continuera les coffres dans le prochain épisode. Comme ça, ça divise mieux. C'est mieux que de faire un épisode qui dure super longtemps. Aurait-il perdu la raison? Putain! Aurait-il perdu la raison? On n'est pas encore dans le bon quartier. Bon, au moins, on a enchaîné des coffres qui traînaient. C'est le principal. Mais là, il y en a plein là-bas. Il faut qu'on les fasse. Désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Venez, ne soyez pas... Ça devrait aller mieux maintenant. Mais pas d'imprudence. Oh putain! Là. Oh putain! Oh putain! Il va blesser quelqu'un. Dio del cielo.
Il va blesser quelqu'un. Putain. Putain. Voilà, c'est bon, il a pour 10 ans de combat là. Hein. Comment on pénètre ? Tout ça pour un vieux coffre. Oh putain, bouffez vos morts. Oh putain, il a mérité lui. Ouh, je vais l'ouvrir en deux. Voilà. Ça c'était les rentrations que je voulais. Allez, on fuit. C'est bon, ils m'ont loupé, je crois. Ah putain! Ah putain! Ah putain! Ah putain! Ah putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est pas du caillou là, c'est de la lapidation! Bon, ça suffit, je vais les déglinguer, j'en ai marre. Hein. C'est bon, je perds mon temps là. Il est là-bas. Allez. Soyons efficaces. Ah là, toi tu vas être mourir, Brutus. Encore un petit là. Ouais, allez, c'est reparti. Ou toi je fais. Voilà, puis les petits connards là ils fuient. Oh putain! Toute cette violence et les gardes qui sont incapables d'y mettre un terme. Voilà, il était là notre tout coffre, notre freco. Alors. C'est quoi ces zones rouges à la con là? Merde. Délire. Voilà, j'ai misé là-dessus. J'avais peur de me louper, mais c'est bon. Je pense que ça doit être la place Saint-Marc. Hein.
Il y a moyen. Je suis allé à Venise, hein, mais c'était il y a super longtemps, je me souviens plus bien, j'étais jeune. Oh putain! Nick est mort! Ah bah voilà, génial, je sais plus où se trouve le coffre maintenant. Je sais même plus ce que j'ai fait pour me faire courir après. Rien de grave sans doute. Ah oui, mais là c'est les morts, là j'ai trop de notoriété, là faut vraiment que je la fasse baisser, j'y arriverai jamais sinon. On va aller soudoyer un mec. Hein. On va faire taire un hurleur, ce sera pas mal. Les grands yeux qui tirent le mec. Je pense que c'est surtout quand il a vu la bourse arriver. Oh sa mère! Oh la vache! Ah! Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ok, coffre. Ce serait bien qu'on arrive à terminer le quartier dans pour cet épisode, et comme ça après on fera le dernier quartier dans le prochain, et puis on lira les papiers. La place est en bas avec la populace. Descends, poussez-moi, moi qui suis en bas. Il est là, fais une prière, criminel. Allez. Lâchez-moi tout de suite. Voilà, ni une ni connue. Non. Voilà.
On a trois ici, puis ensuite il y en aura encore un ici, puis on aura terminé le quartier. L'armure d'Altaïr est incassable, j'ai l'impression. Ce fut un plaisir, Signor. Revenez quand vous voulez. Je tiens à porter à votre attention qu'un bal masqué. Tous ceux qui ont besoin. Dans le palais d'Antolo. Par tous les saints, que se passe-t-il? Là-bas, ne le laissez pas s'enfuir. C'est quoi ce délire? C'est quoi les mecs qui gueulent en italien là? C'est des vendeurs dans le... Je sais pas. C'est qui m'a dit que j'étais déjà mort? Allez, plus que celui-là, et on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça fait déjà une heure et quart à peu près qu'on enregistre. Enfin bon, je sais pas exactement, hein, je regarde ma montre donc... Non plus d'ailleurs. Nickel, ici. Bon allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Moi je pense que je vais enchaîner le prochain, comme ça on aura terminé le jeu. Et puis bah je vous dis moi à la prochaine. Hein. Ciao.